Loin dans l'espace, au-dessus de nos têtes, s'agite tout un bestiaire d'objets célestes plus ou moins intrigants et compris, et parmi eux, les trous noirs. Passé du statut d'hypothèse mathématique à celui d'astre bien réel il y a seulement une cinquantaine d'années, ces structures correspondent à d'énormes quantités de matière rassemblées dans un tout petit volume. Extrêmement compacts et denses, les trous noirs ont de nombreuses propriétés intéressantes. Par exemple, ils modifient la trajectoire de la lumière. Normalement, celle-ci se déplace en ligne droite. Mais, à proximité d'un trou noir, sa trajectoire se courbe, s'enroulant légèrement autour de l'astre. Du coup, la lumière émise par un objet situé derrière un trou noir peut parvenir jusqu'à nous au lieu d'être bloquée. L'étude des trous noirs repose sur beaucoup de prédictions théoriques, et celles qui concernent leur influence sur la lumière ont été confirmées récemment. La fameuse image réelle du trou noir M87 étoile, obtenue en 2019 par le Event Horizon Telescope, est vraiment très proche de ce qui avait été prédit. En fait, paradoxalement, on peut voir l'influence des trous noirs sur les objets qui les entourent, mais on ne peut pas voir directement les trous noirs eux-mêmes. Pourquoi? C'est à cause de leur propriété la plus connue. Une fois à l'intérieur d'un trou noir, rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. Pour comprendre l'origine de ce phénomène, on peut faire une analogie avec une rivière coulant vers une cascade dans laquelle nageraient des poissons. L'eau de la rivière accélère progressivement quand on s'approche de la cascade, et quand ils en sont éloignés, les poissons peuvent facilement nager dans toutes les directions, mais plus ils se rapprochent de la cascade, plus l'eau va vite et plus les poissons ont du mal à remonter le courant, jusqu'à atteindre un point à partir duquel ils sont complètement piégés. Celui auquel la vitesse de l'eau devient plus grande que celle à laquelle les poissons peuvent nager. Ceux-ci sont alors irrémédiablement emportés par le courant. Ce point de non-retour correspond à ce que subissent la lumière et la matière au niveau de ce qu'on peut considérer comme la surface des trous noirs. Cette zone, au-delà de laquelle rien ne peut quitter le trou noir, porte le nom assez poétique d'horizon des événements. Les astrophysiciens se posent beaucoup de questions sur les trous noirs, notamment sur les phénomènes qui se déroulent au niveau de l'horizon des événements, y compris à l'échelle microscopique. Mais il n'est pas possible de les étudier directement. On n'a ni les outils pour les observer depuis la Terre, ni les moyens pour s'en approcher. En effet, le trou noir le plus proche de notre planète est déjà à 1000 années-lumière de nous, c'est-à-dire 63 millions de fois la distance qui nous sépare du Soleil. Dans ces conditions, impossible d'expérimenter directement sur les trous noirs pour mieux les comprendre. Mais heureusement, il existe d'autres façons d'étudier le monde qui nous entoure. On peut par exemple réaliser des simulations numériques ou reproduire en laboratoire un système qui se comporte à peu près comme ce qu'on veut étudier, y compris pour les trous noirs. Ici, au LKB, nous faisons interagir la lumière d'un laser avec de la matière dans des conditions spécifiques, ce qui nous permet de simuler des trous noirs. En version très résumée, un matériau semi-conducteur est coincé entre deux miroirs, le tout est placé à des températures très froides, puis éclairé avec un laser. L'interaction entre le laser piégé par les miroirs et le semi-conducteur crée de minuscules particules mi-lumière, mi-matière, appelées polaritons. Celles-ci se comportent comme un fluide, dont l'écoulement est contrôlé en jouant sur les paramètres du laser. Et il est possible d'observer ce qui se passe parce que les polaritons disparaissent rapidement en produisant de la lumière facile à détecter. Pour des explications plus poussées, vous pouvez aller regarder la vidéo qui présente en détail ce système expérimental. En jouant sur la forme du laser et sur son intensité lumineuse, on modifie directement le comportement de notre fluide. Et pour ça, on utilise un élément sur lequel on peut jouer. Entre le laser et le matériau à éclairer se trouve un modulateur qui permet de changer facilement la forme et l'intensité du faisceau laser. Ici, on voit un faisceau circulaire d'intensité constante qui permet de former un fluide immobile en forme de disque. Le modulateur peut être utilisé pour changer la forme du faisceau laser et par exemple obtenir cette combinaison de points brillants disposés en hexagone. Le fluide de polariton se met alors à ressembler à un pavage d'hexagone, comme dans une ruche. Les chercheurs peuvent ainsi changer instantanément les propriétés du fluide et obtenir le comportement souhaité, notamment celui permettant de modéliser les trous noirs. Concrètement, on donne au rayon laser une forme d'anneau. Et quand il rentre en contact avec la matière refroidie, les particules produites s'écoulent en prenant elles aussi cette forme. Ensuite, en analysant les images, on voit que le fluide tourne spontanément sur lui-même, en s'enroulant vers l'intérieur. Donc, on crée un vortex simplement en adaptant la forme de notre laser. Le courant entraîne alors le fluide qui accélère en s'enroulant vers le centre de la spirale, comme l'eau dans le siphon d'une baignoire, ou la matière près d'un trou noir.
En réalité, le vortex obtenu est composé de différentes zones, au sein desquelles les particules sont plus ou moins tassées, et qui renvoient donc une lumière plus ou moins intense. On peut y repérer des vibrations qui se déplacent irrémédiablement vers le centre de la spirale. Si ça vous rappelle quelque chose, ce n'est pas un hasard. En pratique, notre vortex piège les vibrations de la même façon qu'un trou noir piège la lumière. La limite du disque sombre visible au centre du vortex correspond à un point de non-retour. C'est l'équivalent expérimental d'un horizon des événements. Et voilà, vous savez désormais comment simuler un trou noir en plein centre-ville de Paris. Ça demande un peu de logistique, mais c'est quand même beaucoup plus simple que d'étudier directement les vrais trous noirs, et ça ouvre de nouvelles possibilités. En faisant des calculs théoriques sur notre système de simulation, on s'est rendu compte que certaines vibrations du fluide devraient reproduire un phénomène qui intéresse énormément les astrophysiciens. En effet, son existence a été prédite au niveau des trous noirs, mais il est beaucoup trop faible pour pouvoir être observé avec des outils actuels. C'est le fameux rayonnement de Hawking. En 1974, le physicien britannique Stephen Hawking et ses collègues essayaient de réconcilier la théorie de la relativité générale, qui décrit la physique de l'univers à grandes échelles, et la théorie de la physique quantique, qui décrit la physique de l'univers aux toutes petites échelles. Cela a amené Hawking à calculer qu'un effet quantique se produisant à la surface des trous noirs devrait donner naissance à des rayons lumineux très faibles. À défaut de pouvoir mesurer directement ce phénomène au niveau des vrais trous noirs, nous essayons de le mesurer dans notre simulation. Les chercheurs du laboratoire Kassler-Brossel sont sur la bonne voie. Ils peuvent déjà créer des vortex dans lesquels ils observent certaines vibrations. Mais il leur reste beaucoup à faire pour repérer l'équivalent du rayonnement de Hawking. En effet, ils ont calculé son intensité, et même dans les conditions expérimentales les plus favorables, celle-ci reste très faible. Pour réussir à observer ce type de vibration, il faudra parvenir à créer un flux très calme, plus que ceux que nous observons pour l'instant. Mais nous y travaillons. Il existe d'autres systèmes de laboratoire qui permettent de simuler des aspects de la physique des trous noirs, comme l'eau dans un siphon ou d'autres fluides appelés condensats de Bose-Einstein qui sont comparables à ceux utilisés au laboratoire Kassler-Brossel. Faire ce genre de simulation dans plusieurs systèmes est très important pour nous les scientifiques. Cela permet de tester les mêmes hypothèses plusieurs fois et par exemple de s'assurer que le rayonnement de Hawking se manifeste bien dès qu'on forme un point de non-retour, un horizon des événements dans un système. Ce caractère reproductible des résultats est essentiel pour pouvoir leur faire confiance. Les simulations concrètes, comme celles mises en place au laboratoire Kassler-Brossel, sont un outil supplémentaire pour étudier des objets lointains dans l'espace. Riches de possibilités, elles pourraient aussi permettre de mieux comprendre des phénomènes inaccessibles car éloignés dans le temps, comme la façon dont l'univers a évolué juste après le Big Bang. Il reste tant de choses fascinantes à découvrir, autant profiter de toutes les techniques à disposition.